Rebonjour, donc la deuxième étape, donc c'est la mise en terrine de votre foie gras. Alors, prenez une petite terrine comme ceci, à peu près, ça devrait passer parfaitement. C'est pour le mettre en cuisson. Alors, bien sûr, on peut l'agrémenter d'un alcool fort, Porto, Cognac, Armagnac, selon les goûts. Il y en a qui préfèrent aussi mettre du Grand Marnier. Et vous essayez de reconstituer le foie, en fait, pour pouvoir bien le mettre dans sa terrine. Ici, parfait. Voilà. On récupère bien sûr la petite partie qui se trouve sur le côté. Plus besoin de refaire l'assaisonnement. Voilà. Une fois que votre foie a bien été reconstitué, voilà, on s'en débarrasse. Là, c'est parfait. Donc, ça paraît un bain-marie.